What's up? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais faire une intro assez courte parce que j'ai l'impression que la vidéo va être assez longue déjà comme ça. Mais avant de commencer, je voulais vraiment faire un trigger warning, un peu comme dans ma dernière vidéo. Je vais traiter de sujets sensibles dans cette vidéo-là, comme par exemple des abus sexuels et abus d'alcool. Si jamais c'est trop pour vous, que vous pouvez pas vraiment supporter ça, je comprends encore là à 100%. Puis je vous suggère vraiment de skipper ma vidéo, puis peut-être revenir plus la semaine prochaine avec une vidéo plus délicate. Mais sur ce, sans plus tarder, on va se lancer dans la vidéo qui, comme le titre l'indique, est sur David Dobrik et le Vlog Squad et qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Donc, allons-y. Évidemment, c'est pas tout le monde qui sait c'est qui David Dobrik, donc je vais quand même vous donner un petit peu de background. David est devenu super populaire sur l'application Vine en 2014 avec ses vidéos vraiment à tendance comédique et sa relation très très médiatisée avec Lisa Cauchy. Quand Vine a cessé d'exister, David et plein d'autres créateurs ont fait la transition de Vine à YouTube. Puis David, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment pris avantage de la mode des daily vlogs, un petit peu comme les frère Paul. Puis, dans le fond, lui, il faisait des vidéos qui duraient 4 minutes 20 avec ses amis. Il faisait vraiment des choses pas possibles dans ses vlogs-là, puis la plupart du temps, il était sous l'effet de l'alcool. Faut dire qu'ils sont tous quand même plus vieux que ma génération, mais c'était vraiment beaucoup des vidéos centrées sur l'alcool. Les amis à David sont carrément devenus des acteurs pour ses vlogs, avec leur personnalité qui était comme vraiment hors du commun, puis exagérée, évidemment. Puis les fans, ils revenaient carrément pour eux. C'est à ce moment-là que leur gang est devenue le Vlog Squad, qui était super connu sur YouTube. Au travers des années, il y a eu des membres qui sont venus, qui sont partis, ça avait vraiment changé, mais aujourd'hui, je vais vraiment me focusser sur 5 membres qui sont David, Jason, Jeff, Todd et Dom. Donc, quand est-ce que tout ça a commencé? Quand est-ce que le drame a commencé? Je vais vraiment essayer de vous faire ça dans la manière la plus concise possible. Donc, dans le fond, le Vlog Squad, ils ont toujours fait des choses vraiment douteuses dans leurs vidéos, mais ils semblaient jamais se faire coller out par personne, puis ils semblaient vraiment, vraiment être Ça peut être dû premièrement au fait que leur fanbase est quand même jeune, mais encore là, moi, je dois l'avouer que j'ai déjà consommé de ce contenu-là. Donc, on s'est toujours demandé pourquoi, en fait, ils faisaient des choses qui avaient aucun bon sens, mais que personne ne disait rien. Par contre, c'est il y a quelques mois qu'un des anciens membres du Vlog Squad, qui se nomme Seth, est venu au jour avec des accusations contre le Vlog Squad. Fait que tout ça, c'était basé sur, dans un des vlogs, dans le fond, Seth, on lui a demandé de fermer ses yeux et qu'une autre personne, qui s'appelle Corinna, serait venue pour l'embrasser. Mais pour faire un prank, David a décidé que ça serait en fait Jason qui allait embrasser Seth. Évidemment, les gens sur le coup, ils trouvaient ça vraiment drôle. Oh my god, t'as embrassé Jason! Sauf que, en fait, Seth avait pas consenti à embrasser Jason, puis la situation l'a rendu extrêmement mal à l'aise. C'est vraiment à ce moment-là, quand Seth a parlé de comme son épreuve qu'il a vécue, que les gens ont commencé à vraiment plus regarder les vidéos de David avec un œil minutieux puis de repérer vraiment beaucoup de patterns extrêmement problématiques dans ceux-ci. Ensuite, il y a un autre ancien membre qui s'appelle Big Nick qui est venu aussi au jour avec des accusations. Big Nick, lui, dans le fond, il a un handicap qui fait en sorte qu'il est beaucoup plus petit que la moyenne. Pendant son temps dans le Vlog Squad, David utilisait beaucoup son handicap pour rire de lui. C'était vraiment comme the butt of the joke, des choses comme ça. L'affaire, c'est que Big Nick a affirmé que c'était la raison pourquoi il a quitté le Vlog Squad, le fait que son contenu était carrément basé sur l'humiliation. Puis ce qui est arrivé, c'est que quand Big Nick allait en ville, faisait ses choses de la vie de tous les jours, les gens prenaient en considération qu'il avait le droit de rire de lui parce que David riait de lui dans les vlogs. Donc il se faisait harceler sur un daily basis sur le fait qu'il avait un handicap. Déjà que c'est dur en partant d'avoir un handicap juste parce que t'es un outcast, c'est aussi vraiment dur que les gens te le remettent puis que ça soit autant médiatisé. Donc tout ça étant dit, on peut vraiment voir que c'est pas nouveau qu'il y ait des comportements problématiques dans le Vlog Squad, c'est juste que maintenant les gens commencent à être assez courageux pour en parler. Pour continuer, quelqu'un qui est extrêmement important dans cette situation, c'est Trisha Paytas. Si vous savez pas c'est qui, je vais pas trop aller en détail parce qu'elle a une extrême vie, cette fille-là. Mais en résumé, c'est une fille qui fait des vidéos sur YouTube depuis une dizaine d'années, puis elle s'est comme créé un personnage qui est extrêmement controversé, puis elle troll quand même sur les internets. L'affaire avec Trisha, c'est que vu qu'elle troll tout le temps, c'est vraiment dur de savoir quand elle est sérieuse. On sait pas si tout est vraiment prémédité, qu'est-ce qu'elle dit, vu qu'elle dit des choses extrêmement problématiques des fois. C'est assez difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut prendre puis qu'est-ce qu'il faut laisser. Trisha, elle a été en couple avec Jason Nash pendant quelques temps, pendant qu'il était dans le Vlog Squad, puis c'était une relation qui était extrêmement toxique, puis on pouvait vraiment le voir au travers des vlogs de David. L'affaire, c'est que quand ils se sont laissés, Trisha est allée directement sur les réseaux sociaux, puis elle a décidé d'exposer le Vlog Squad. Trisha a fait souvent ça quand il y a une situation,
elle va s'asseoir sur le plancher de sa cuisine, puis là, elle va tout déballer dans un élan de colère, tout ce qui s'est passé. Par exemple, des choses qu'elle a dit, c'est qu'il y avait un membre qui a été en relation avec une mineure, que Jason avait beaucoup parlé d'un trip à trois avec Tana Mongeau, qui avait 18 ans à l'époque, puis notez que Jason est dans la fin de la quarantaine, donc c'est vraiment bizarre. Puis en gros, elle disait que leur personnage était extrêmement problématique. L'affaire, c'est que comme j'ai mentionné, Trisha, c'est vraiment un personnage sur YouTube, puis elle-même a fait partie d'énormément de scandales, puis ça, malheureusement, ça l'a atteint à sa crédibilité. Ce qui s'est passé, c'est que les gens sur YouTube, ils l'ont juste pas prise au sérieux, puis ils pensaient que c'était encore un épisode de troll. Puis les gens du Vlog Squad, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer ça sur sa santé mentale. Ils l'ont fait passer comme si elle était juste une ex-folle qui était pas capable de se remettre de sa rupture avec Jason, ce qui est vraiment plat. Fait que vu que Trisha est reconnue pour troller, faire des sketchs, les gens, ils pensaient juste que c'était un autre manière d'avoir de l'attention parce que Trisha a été diagnostiquée d'un trouble, je pense qu'elle a une personnalité limite, donc ces gens-là justement ils ont besoin d'attention, puis elle fait souvent des choses comme ça, donc les gens ils ont juste été directement à la conclusion de on peut pas prendre ce que Trisha a dit au sérieux. Malheureusement on se rend compte aujourd'hui que Trisha avait raison et que toutes ces accusations étaient fondées contre le Vlog Squad. Bon, maintenant que ça s'est mis au clair, lançons-nous sur le sujet le plus sensible de la vidéo qui est les accusations d'abus sexuels de l'un des anciens membres de Dirty Dom. L'affaire, c'est que c'est pas la première fois que Dirty Dom a des accusations contre lui, mais on dirait que ça passait toujours dans le beurre dans le passé. Donc, qu'est-ce qui a déclenché tout ça, puis cette vague de dénonciation-là? C'est l'apparition d'un article dans Insider dans lequel des filles qui ont vécu de l'abus de la part de Dom ont raconté toute leur histoire. Pour faire un résumé de ce qui s'est dit dans l'article, parce que l'article est payant malheureusement, la fille dit que, bon, un soir, Dom aurait mis une stories et elle aurait répondu pour pouvoir rencontrer David et la gang. L'affaire, c'est que la story disait qu'il cherchait des gens pour faire un trip à trois. Évidemment, il pensait pas que c'était sérieux parce que qui fait ça, mettre une story sur Instagram pour se chercher des gens pour faire un trip à trois? Il pensait clairement que c'était une blague, mais il voulait rencontrer David parce que c'était des fans, donc elles ont répondu. Par contre, quand elles sont arrivées sur les lieux, ils ont commencé à leur donner de l'alcool, puis il y a une des filles qui s'est même rendue à être complètement blacked out. Selon le témoignage des filles, Dom aurait abusé sexuellement de la fille qui était complètement inconsciente à un certain point que son ami a dû prendre le relais pour qu'il arrête. Audrey told her that Zaglytus was having sex with Hannah and didn't stop as Hannah showed signs of losing consciousness, so Audrey, quote, took over to get Zaglytus to stop. C'est tellement horrible quand on y pense que son ami a dû prendre sa place, comme what the fuck. Le plan du vlog, c'était que bon, il allait faire à croire que justement il allait avoir un trip à trois, mais c'était pas censé arriver pour vrai. Puis là, le vlog a été publié, puis les filles ont été humiliées devant des millions de téléspectateurs. David a fini par supprimer le vlog il y a un an de ça, mais il a quand même amassé plus de 5 millions de vues. Ça me dégoûte tellement cette situation-là, c'est vraiment horrible de penser ça. Donc quand l'article est sorti, évidemment on a tout mis le blâme sur Dom parce que c'est lui qui a complètement abusé des filles, mais on s'est quand même demandé c'était quoi le rôle en fait des autres membres du Vlog Squad qui étaient là ce soir-là, pourquoi ils ont rien fait pour arrêter la situation. Puis finalement, pour conclure cette partie-là, dans l'article on mentionne brièvement que ce serait Todd et Jeff qui auraient acheté l'alcool pour les filles qui n'avaient pas l'âge légal de boire de 21 ans. Il y en a qui disent qu'ils savaient, il y en a qui disent qu'ils savaient pas. On sait pas trop c'est quoi la situation, mais en gros, il y avait des très brèves accusations que ce serait Todd et Jeff qui arrachaient l'alcool, qui est un acte illégal en soi aussi. Bon, c'est là dans notre timeline qu'on se rend à l'interview de Jeff à Frenemies. Frenemies, c'est le podcast à Trisha Paytas et Ethan Klein, puis dans lequel ils parlent beaucoup, beaucoup de la situation parce que Trisha était présente au début de la soirée, mais quand elle a vu que la situation elle se dégénérait, elle a décidé de partir avec Jason parce qu'elle était en couple avec Jason à ce moment-là. Trisha et Ethan trouvent que la situation est vraiment hors de contrôle, puis sont vraiment choqués par tout ça. Puis Jeff, ayant fait une vidéo par rapport à l'article qui était vraiment pas très bonne selon moi, voulait s'expliquer, donc a décidé de prendre avantage la plateforme de Frenemies pour venir s'expliquer. Évidemment, on pensait qu'il allait avoir une conversation mature puis qu'on allait pouvoir en venir à des conclusions, mais ça s'est vraiment pas passé comme ça. Jeff, il s'est complètement tapé la honte dans cette interview. C'était vraiment
cringe à regarder. Il essayait vraiment de se défendre puis de prôner son innocence puis en même temps dire qu'il respecte les femmes puis qu'il fait ça pour les victimes, mais il ramenait tout ça à lui au final, donc c'était extrêmement hypocrite de sa part tout ce qu'il disait. Puis on voit que plus que ça avance, plus qu'il est fâché en fait de son image. Il est pas fâché parce qu'il y a des filles qui se sont fait abuser, il est fâché de l'image que ça a sur lui puis de la perte de ses sponsors. Il y a des sponsors qui lui ont demandé de supprimer des vidéos et il a dit non parce que c'est trop important pour lui l'image qu'il projette au public. Puis la fois c'est qu'il peut se faire poursuivre pour ça si tu supprimes pas les vidéos. Fait que tu vois qu'il est vraiment beaucoup plus centré sur lui-même. C'est vraiment, genre, ça me dégoûte parce que tout le long de l'interview, il arrête pas de dire qu'il veut pas discréditer les victimes, mais il trouve quand même un moyen de ramener ça à lui non-stop. Puis là, il pédale vraiment, là, au travers de l'interview. Il change son histoire au moins 4 fois durant l'interview. Au début, il dit que bon, il était juste là pendant les 15 premières minutes, puis après, il est parti. Après ça, bon, finalement, je suis peut-être resté 1 heure. Mais là, Ethan lui a montré une photo parce que Ethan, si vous savez pas, il a 0 chill, puis il a pas de problème avec à mettre les gens sur le blog. Puis, dans le fond, il y a une photo qui est sortie, qu'on voit très bien Jeff, puis on a même l'heure à laquelle la photo elle a été prise, qui montre que ça s'est déroulé après l'abus, et donc qui prouvait que Jeff était présent sur la scène. Mais là, bon, son histoire c'était « Non, mais je suis partie, mais finalement, peut-être je suis revenue après, en fait, je m'en rappelle plus. » Vous voyez, fait que là, ça a passé de 15 minutes à 1 heure, à « Je suis venue, je suis repartie, je suis revenue. » Comme, il n'y a rien qui fait du sens dans tout ce qu'il dit. Tu vois qu'il pédale. Tout au long de l'interview, on voit que ce qui l'insulte vraiment, c'est la mention de son nom dans l'article, puis tu vois qu'il bâche complètement la journaliste qui a fait l'article comme si elle devrait pas être payée pour ça, puis que bon, c'était elle qui était dans le tort, malgré le fait qu'elle fait juste comme reporter qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, c'est pas elle qui a abusé, elle fait juste donner une voix aux victimes. Puis la phrase, c'est qu'on a appris après qu'il a fait une vidéo de 30 minutes pour se défendre et blablabla, mais il avait même pas lu l'article, il a même pas payé pour lire l'article, donc tout ce qu'il disait, c'était fondé sur absolument rien. Tu sais, son argument, c'était que bon, c'était pas lui qui avait acheté l'alcool. Puis lui, il pensait que l'article faisait vraiment beaucoup un focus sur ça, tandis que c'était pas vrai. Puis il disait que c'est juste Trisha, en fait, qui avait dit ces accusations-là, que c'était lui qui avait acheté l'alcool. Puis il a même été jusqu'à dire que vu que Trisha est instable mentalement, on devrait pas prendre sa voix, puis on devrait pas prendre qu'est-ce qu'elle dit au sérieux. L'affaire, c'est que s'il avait lu l'article vraiment, il se serait rendu compte que, un, son nom est à peine mentionné parce que c'est pas lui le focus de l'article, ce sont les victimes. Et que, deuxièmement, l'ami de la fille qui était blacked out, qui était à jeun, je crois, au moment de qu'est-ce qui s'est passé, a aussi dit que c'est lui et Todd qui avait acheté l'alcool. Donc, premièrement, il a fait une crise pour rien, et deuxièmement, c'est pas juste Trisha qui avait dit ça, il y avait aussi l'autre fille, donc on a 2 personnes qui disent la même histoire. Moi là, ce qui me choque vraiment dans tout ça là, c'est que la grosse chicane, c'est sûr, c'est qui a acheté l'alcool. Tandis que ce soit toi ou pas qui a acheté l'alcool, ça fait pas de toi quelqu'un d'innocent. Tout le monde qui était là ce soir-là est complice par association. Je suis désolée là, mais il y a personne d'innocent dans cette vidéo-là. Puis en plus, on a des preuves vidéo, c'est pas comme si c'est du oui dire puis she said, he said. Non, non, on a des preuves vidéo, le vlog a été uploadé. Donc, tous ceux qui étaient présents sont complices par association, no matter what. Puis ce débat-là m'exaspère tellement parce que, encore là, c'est pas parce que c'est pas toi qui as abusé sexuellement de la fille que t'as pas facilité la situation. Comme, on s'en fout c'est qui cachait l'alcool au final. Oui, c'est illégal, ok, mais c'est pas ça le problème, là. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il essaie de se défendre en disant que c'était un sketch, puis c'est devenu un failed bit. Genre, c'est pas un sketch, c'est une fille qui s'est faite violer. C'est pas une fucking joke. Ça m'insulte de voir qu'ils prennent ça tellement à la légère comme si c'était un failed bit, comme what the fuck? En tout cas, ça c'est une des situations les plus graves qui s'est passée dans les vlogs de David, mais il y a plein d'autres instances dans lesquelles David a été super problématique. Premièrement, chaque membre du Vlog Squad a un rôle d'acteur, puis leur personnalité est comme exagérée dans les vlogs. Par exemple, Jason Nash, c'est comme le monon de cochon qui fait des jokes de sexe tout le temps, puis Zane, c'est l'alcoolique qui est toujours sous, etc. L'affaire, c'est qu'il tombe dans des extrêmes stéréotypes dans ses vidéos, que selon moi, c'est pas vraiment drôle, puis ça en vient vraiment dur à déterminer c'est quoi la réalité de qu'est-ce qui est scripté, tu sais. Il a même dit à un certain point que bon, il aimerait tellement ça avoir un Asiatique puis un gay, mais il semble que ça ferait que l'équipe serait plus complète, genre. What? C'est tellement cringe comme dire que tu veux utiliser un gay pour quoi? Prendre tous les stéréotypes d'un homosexuel puis genre rire de ça comme? C'est genre super problématique, ça a 0 rapport là. En tout cas, tout ça, ça nous ramène à Dom puis son rôle dans les vlogs. Parce que Dom, sa version exagérée de lui, c'était le fuckboy qui couchait avec plein de filles, etc. Mais comme, il y a personne qui s'est posé la question s'il y avait un problème derrière tout ça, que c'était peut-être pas normal qu'il couche avec
autant de filles qui étaient beaucoup plus jeunes que lui aussi, il faut dire. Puis tu sais, mettons qu'on va se dire que c'est scripté, comme c'est tellement concerning quand on pense à ça, qui vient à jour avec des pensées de même puis des narratives comme ça? Qui se décide? Hey, on va faire un sketch qu'on va genre trap des filles dans un trip à trois. Ha ha ha! What? Un autre problème encore là, c'est que David, bon, il filme ses amis. C'est vraiment rare qu'on va voir son visage à lui dans les vlogs, mais il filme ses amis qui sont blacked out, qui sont super sous. La fois, c'est que David boit jamais. Il est jamais, jamais, jamais sous. On voit jamais David prendre un shot avec ses amis ou quoi que ce soit dans les vidéos. C'est vraiment bizarre quand on y pense là. Il prend vraiment avantage de ses amis quand ils sont dans des conditions affaiblies, genre. On voit-tu à quel point qu'il y a comme encore là un débalancement de pouvoir? En plus de prendre avantage de ses amis qui avaient des conditions affaiblies, c'était aussi connu que David allait dans des frat house comme les jeudis, vendredis soir, il conduisait puis il ramassait des filles pour qu'elles couchent avec les membres du Vlog Squad. Les filles, c'était probablement des filles qui avaient aussi les facultés affaiblies, qui avaient comme 18 ans, puis ses amis sont tous dans la fin vingtaine, début trentaine. C'est horrible quand on y pense! On compare souvent le Vlog Squad à une secte parce que David a tout le pouvoir, puis les membres du Vlog Squad profitent un peu du prestige qu'est David Dobrik. Genre, David, il les paye pour faire tellement n'importe quoi. Genre, Trisha Paytas, elle a dit qu'à un moment donné, David lui a donné 100$ pour qu'elle boive de l'urine. He had a power over people. He always paid people to do stuff. He paid me, like, money to one time to suck someone's toe, one time to drink someone's piss. Like, he'd always give me, like, 100 bucks. You drank someone's piss? Mm-hmm. Tu sais, la comparaison avec une secte est vraiment présente quand on voit à quel point que les membres du Vlog Squad vont tout faire pour David et vont tout faire pour le protéger. Juste pour vous donner un exemple, pendant l'entrevue de Jeff à Frenemies, tu sais, Trisha a essayé de parler de David et Jeff n'a jamais osé dire quoi que ce soit contre David parce qu'il est beaucoup trop fidèle. Dans n'importe quelle excuse, quoi que ce soit, personne n'ose dire le nom de David parce que c'est comme si c'était leur dieu. Peut-être moi qui écoute trop de true crime, mais ça me fait tellement penser à Charles Manson, tout ça, parce que les leaders de secte, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils sont super charming. David, super charming, mais on y a un extrême abus de contrôle, puis c'est de la grosse manipulation tout ce qui se passe. On a aussi essayé de défendre David sur son âge, puis le fait que bon, il y avait 20 21 ans à l'époque. Ça m'exaspère encore là les gens qui vont rentrer l'âge dans le mix. J'ai 21 ans, j'aurais jamais agi de la sorte. J'aurais jamais agi de la sorte à 16 ans. Tu sais, ça n'a même pas rapport. Arrêtez d'essayer de mettre le blâme sur l'âge, tu sais. Ça n'a même pas rapport. En plus, ils peuvent même pas dire qu'ils étaient pas au courant de ce qui se passait de pas legit dans les vlogs parce qu'après le vlog qui est sorti avec l'abus dedans, ils ont carrément dit si les gens voyaient qu'est-ce qui se passait derrière la caméra, on serait sûrement en prison. Donc, ils sont clairement aware qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. John just had a threesome and I think we're all going to jail. Oh, man. Donc, ils sont clairement plus au courant qu'ils laissent paraître, puis là, ils s'en veulent juste parce qu'ils se sont fait prendre. Pis c'est vraiment inquiétant quand on y pense, hein. Si ça, ils filment puis ils le mettent sur les réseaux sociaux, imaginez qu'est-ce qu'ils filment pas. Quelque chose qui revient souvent aussi par rapport au Vlog Squad, c'est qu'ils se tiennent jamais responsables de leurs actions puis ils se sentent intouchables. Avant ce qui se passe maintenant, le Vlog Squad avait fait partie de plusieurs scandales, puis c'est la première fois que David adresse une situation. Donc, premièrement, David, il y a quelques semaines, a publié un vidéo de 2 minutes 30 sur sa chaîne de podcast que c'était un vidéo d'excuses. Premier problème avec tout ça, ça m'énerve à quel point que beaucoup d'influenceurs font ça. Ils vont publier leurs excuses sur leur chaîne qui a le moins d'abonnés, donc le moins de reach. Tu sais, sa vraie chaîne, elle a 18 millions d'abonnés. Sa chaîne de podcast en a 1,7, c'est cave, là. Ça fait exprès pour pas que ce soit tout le monde qui ait accès à cette excuse-là. Donc, c'est vraiment authentique quand ils font quelque chose la sorte, t'sais. Bref, David, dans cette vidéo-là, il parle qu'il y a toujours le consentement des gens avant de publier des vidéos, puis qu'il est pas d'accord avec ses actions du passé, mais ça reste vraiment en surface, tout ce qu'il dit. Il mentionne aussi que, bon, il se serait distancié de Dom en 2019 parce qu'il était pas d'accord avec les actions qu'il a commises, mais on a eu des preuves encore là qui sont sorties que c'est pas vrai et on les a vues ensemble dans l'année 2020, donc c'était même pas vrai. Puis je trouve ça tellement stupide, genre tu le sais que t'es tellement présent sur les réseaux sociaux, les gens ils vont tout trouver qu'est-ce que t'as fait de pas correct. Fait qu'arrête de mentir, ça sert à rien. Les gens vont te trouver, t'as de l'air bien plus cave quand tu dis que t'as quelque chose qui est juste pas vrai à base. Là. En plus, sur cette vidéo-là, les likes, dislikes et les commentaires étaient tous désactivés, donc on peut même pas voir la réaction du public. Puis ça, je trouve que c'est la chose la plus lâche qu'un influenceur peut faire parce que t'es même pas
game de faire face à tout ce qui s'est passé. Savoir perdu plus de 11 sponsors, dont Seeky, qui était super important parce que c'est eux qui faisaient en sorte que David pouvait acheter des Tesla à tout le monde, puis la perte de plus de 300 000 abonnés, que David s'est dit qu'il serait peut-être temps qu'il fasse un vrai vidéo d'excuses sur sa chaîne principale. Donc dans la vidéo, il explique que oui, il y a eu le consentement des filles pour publier la vidéo, mais il aurait dû se rendre compte que les filles, ils ont juste dit oui parce qu'ils se sont sentis obligés de le faire. Il explique que bon, ils savaient pas qu'il y avait un débalancement de pouvoir, puis que son statut avait fait en sorte que les filles se sont senties forcées de dire oui. Mais comme, mais je comprends pas à quel point que les influenceurs comprennent pas ça, mais il semble que c'est tellement évident que tes fans ont une admiration pour toi, puis ils veulent pas te décevoir parce qu'ils te voient comme une figure d'autorité tellement suprême. Comme, ça fait des années que t'es sur les réseaux sociaux, comment ça tu comprends pas ça encore là? T'es un adulte, il me semble que c'est vraiment pas un concept qui est si compliqué que ça là. Après ça, il dit qu'il est désolé de pas avoir créé les victimes de Dom, d'avoir fait des jokes sur ça au lieu de les défendre, et de finalement avoir même donné une plateforme à Dom pour qu'il puisse faire des choses de la sorte. Il mentionne à quel point que c'était vraiment bizarre pour lui de venir à terme avec le fait que son ami d'enfance était carrément un prédateur. Tout ça, ça me ramène aux vidéos que j'ai faites la semaine passée sur la masculinité toxique, parce qu'on voit que les gars sont plus prêts à croire leur ami qui ont des comportements de prédateurs. Je m'excuse, mais c'est impossible que David le savait pas. Jeff, since you've been in jail, did you ever meet people like Dom? Oh no, they separate the sex offenders. Genre, les fans, les gens qui regardaient les vidéos voyaient qu'il y avait des comportements toxiques. C'est sûr que David le savait. Au lieu de défendre les victimes, il s'est jamais dit qu'il y avait peut-être... il y a beaucoup de personnes qui viennent un jour avec des accusations, peut-être qu'ils ont raison, hein? T'sais, c'est jamais dit ça, pis ça, moi, c'est vraiment déplorable que les gars sont toujours prêts à, comme, respecter le bro code, pis justement de stick together avec leurs amis gars, à place de croire les victimes. Pis t'sais, comme je dis, c'est impossible que David le savait pas, malgré le fait qu'il dit qu'il le savait pas, mais on a des preuves encore là. Parce que, il y a quelques années, après VidCon, qui est comme une convention pour les gens qui font des vidéos, il y a une fille qui est venue un jour justement avec des accusations contre Dom. Ça fait vraiment quelques années de tout ça là. Puis Dom a fait une vidéo d'excuses en pensant que justement faire une vidéo d'excuses sur YouTube c'était la manière de régler les choses. Puis David a laissé ce commentaire comme c'est horrible, la fille dit qu'elle s'est faite abuser. Dom fait un petit vidéo d'excuses puis David sa réaction c'est écoute, il y a beaucoup de monde qui sont caves mais au moins toi tu l'affirmes puis blablabla comme ah! Pardon! Inacceptable. Bon, la conclusion du vidéo de David, c'est que bon, il va se tenir responsable de ses actions, puis il va prendre un break des réseaux sociaux. Puis il dit aussi que pour le futur, il veut engager une équipe de HR pour gérer tout ça. Puis premièrement, il aurait dû faire ça dès le début. Comme voyons, ça se peut même pas qu'il y avait même pas une équipe comme pour régler les choses. Puis selon moi, il n'y a pas vraiment le choix de s'en aller des réseaux sociaux. C'est pas comme si il lui restait des choses, il n'y a plus de sponsors, il a même perdu sa propre compagnie, comme il n'y a plus rien. Genre, c'est pas comme si c'est une décision personnelle qu'il a faite, je vais quitter les réseaux sociaux. I don't think you have a choice. Je voulais aussi aborder le sujet du consentement dans cette vidéo parce que je trouve que c'est vraiment la souche du problème ici. Dans les vidéos de David, on a souvent lui qui fait une narration en arrière qui explique les événements qui se passent. Puis dans la vidéo de l'abus, David dit qu'après Master Negotiation, c'est là que les filles ont décidé que c'était correct d'aller dans la chambre avec Dom. L'affaire, c'est que s'il faut que tu fasses la master negotiation puis que tu insistes jusqu'à temps qu'une fille dise oui, c'est pas un consentement. Si la personne t'a pas dit oui, tu prends ça pour un non. Je comprends tellement pas pourquoi c'est si difficile à comprendre. Si tu dois tordre le bras à quelqu'un, c'est clairement pas un oui, mais il me semble que c'est évident. Tu sais, s'il faut que tu manipules quelqu'un carrément pour avoir quelque chose en retour, c'est pas un consentement. Comment tu peux te sentir bien avec toi-même quand tu sais que t'as manipulé la personne pour avoir ce que tu veux? Genre, what the hell? Je me sens tellement mal pour les filles de la situation que se sont senties forcé de dire oui à cause du prestige de David Dobrik puis qu'il voulait pas le décevoir puis que maintenant sont marqués à vie par qu'est-ce qui s'est passé. Si vous avez une chose à retenir de mon vidéo, puis ça vient vraiment de mon cœur, c'est que je vous le promets là, c'est infiniment mieux de décevoir quelqu'un que de vivre avec ça sur la conscience pour le reste de ta vie. Si la personne est déçue, elle n'en valait clairement pas la peine. Pour conclure ma vidéo, je trouve ça vraiment important de parler de cette situation-là parce que c'est pas du YouTube drama, c'est littéralement des crimes qui ont été commis dans cette situation-là. Je trouve qu'au Québec, on a peut-être un petit peu moins de gens qui vont parler des drames aux États-Unis, puis on est peut-être moins au courant, puis on va consommer leur contenu sans vraiment savoir de background, puis je trouve que c'est important d'en parler parce que là, c'est plus une question de cancel culture, c'est une question de
crime. Ils ont fait des actions criminelles. Dom devrait être en prison pour ce qu'il a fait. Puis il faut que les gens le sachent parce qu'on peut pas continuer à les supporter. Ils peuvent pas continuer à faire de l'argent sur le dos de leur public quand ils ont abusé autant de leur pouvoir. Aussi, je trouve ce fou à quel point que le Vlog Squad, ils sont tellement rapides à tout mettre sur la faute à Dom. Puis évidemment, Dom est extrêmement tort. Sauf qu'ils étaient tous présents et ils ont rien fait sur le moment. Ça fait des années que ça s'est passé. Je crois que ça fait 3 ans de cette vidéo-là. Puis ils ont rien fait. Ils sont tous associés à cet événement-là. Puis je suis désolée, mais si t'interviens pas, t'es juste pas innocent. L'affaire avec David et le gros problème avec tous ces vlogs, c'est qu'il y a vraiment une fine line entre de l'humour noir et être straight up offensif et abusif. Il faut faire la différence. C'est même plus une question de comme « Oh my god, les gens sont tellement sensibles dans notre société, puis on a le droit de dire ce qu'on veut, la liberté, blabla. » C'est même plus ça le point, c'est juste qu'ils faisaient des choses qui étaient pas correctes aux dépens des gens. Puis dans la loi, t'as une liberté d'expression jusqu'à temps que t'es pas dommageable envers les autres personnes. C'est carrément ça la loi. Donc eux, ils ont juste été beaucoup trop loin. Tout ça étant dit, cette histoire-là, ça nous montre vraiment à quel point notre société est vraiment facile à pardonner les frat boys qui abusent les gens au lieu de croire les victimes et même de croire Trisha Paytas. Personne ne l'a cru, ça l'a tout pris pour que les gens la prennent au sérieux. Évidemment, elle s'est tirée dans le pied à cause de son contenu, mais même là, quand quelqu'un fait des accusations aussi graves, réfléchis. Tu sais, si les gens avaient commencé à comme vraiment faire des recherches au moment que Trisha a parlé des problèmes qu'il y a dans le Vlog Squad, ça leur aurait pas pris autant de temps avant que les accusations viennent au jour puis qu'il y ait des actions qui soient prises. Ça me fait vraiment de la peine tout ça, puis j'espère sincèrement que toutes les vagues de dénonciations vont vraiment aider à régler tout ce problème-là, ou même à juste adresser le problème, puis que les gens qui ont du pouvoir réalisent ce pouvoir-là qu'ils ont, puis qu'ils agissent en sorte, puis que ça prenne pas la perte de tous tes sponsors pour que tu fasses une vidéo d'excuses. Donc voilà, je sais que c'est une vidéo qui va être probablement très longue et lourde. J'espère quand même que vous avez apprécié tout ça. Si vous aimez mon contenu encore là, je vous invite à vous abonner. Et puis sur ça, on se revoit la semaine prochaine et je vous promets que la semaine prochaine, ça va être une vidéo beaucoup plus joviale et beaucoup plus entertaining que ça, mais je pouvais pas continuer à vivre ma vie sans parler de cette situation-là. Je trouvais ça trop important. Donc, merci encore et à la semaine prochaine.